gars, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode du vlog. Donc aujourd'hui, normalement, bench, deadlift, tranquille. Pas trop de difficultés, un petit peu, étant donné que je suis quand même en avant-dernière semaine, on va dire. Mais pas énormément de difficultés. Donc ça devrait à peu près le faire. Je pense que le deadlift, j'ai encore un petit peu perdu mon âme, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, pour la première fois, je crois, parce que j'ai jamais encore filmé de tradi, si je dis pas de bêtises, je crois, depuis le début. Vous allez voir un petit peu mon tradi légendaire, je pense que ça va être assez drôle. Et voilà, donc là, super content de vous retrouver. Là, je suis très très motivé, je sais pas pourquoi, depuis hier. Vraiment, j'ai de nouveau un énorme élan de motivation. Très très déter, je pense que je peux vraiment sortir des trucs intéressants. Notamment ouais, au bench, au deadlift. Le squat, c'est un petit peu mitigé dans le sens où les trois premières semaines se sont passées assez difficilement. Là, j'ai vu que hier, le squat s'est bien passé. Donc, faut voir ce que ça donne, on sait jamais. Est-ce que je peux rattraper trois semaines en deux semaines? Je suis pas certain. Mais voilà, en tout cas, ça se passe à peu près bien. Et là où j'ai vraiment une énorme déter, c'est sur le bench. Donc là, c'est ce que je vais faire en premier. Donc techniquement je suis à peu près certain que ça va bien se passer puisque le bench en ce moment c'est un truc de fou. Et au niveau du deadlift je pense que vraiment si j'arrive à me mettre dedans pareil ça devrait bien passer. Et ensuite j'irai faire un petit peu de renfo mais je pense pas vous filmer ça parce que je vous avoue que c'est pas extrêmement intéressant. Le bench s'est encore une fois très bien passé. Il faut comprendre, j'ai mis plusieurs changements techniques depuis quelques semaines, je dirais, depuis le début du blog, globalement. En fait, un truc auquel je pense pour me mettre en place sur le banc, c'est essayer, en gros, de serrer le banc avec mon arrière d'épaule. Donc, en gros, je me dis, tout mon dos, c'est le banc. Et en fait, j'essaie de serrer au niveau du banc avec mon arrière d'épaule. Et faire ça, en fait, non seulement ça me fait gagner un petit peu plus d'amplitude, mais surtout, ça me permet, en fait, de davantage m'ancrer, davantage, du coup, monter la poitrine, etc. Et d'être beaucoup plus dans l'alignement, ne pas voir une fois la barre qui part en avant, qui part en arrière ou quoi que ce soit. Je suis toujours dans l'alignement. Donc, de ce point de vue-là, c'est un truc de fou, en fait. Parce que, à partir de là, en fait, la force, je l'avais déjà, apparemment. Mais il me manquait vraiment, en gros, cette stabilité, cette base, où, en gros, c'était un petit peu aléatoire. Il y avait des fois, je perdais la trajectoire et tout. Donc, forcément, si tu fais ça de séance en séance, c'était toujours plus ou moins stable. Alors, je sais que j'ai encore beaucoup de taf à faire à ce niveau-là, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien meilleur qu'il y a un mois de ça. Et je m'en rends compte surtout. C'est vraiment un truc de fou. Genre, là, au niveau. Là, je suis sur ma deuxième séance. Troisième séance en termes d'intensité de la semaine, donc vraiment une séance qui est censée être tranquille. Là, je suis RPE 7, je mets 113,5 en sachant que, enfin en 4x5, en sachant que mon max en x6 sur un top 7, c'est une x6 RPE 10. Donc là, c'est vraiment un truc de fou en termes de volume. Ce que ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la semaine pro, je vais mettre mon PR en x6 en 4x5 RPE 8. Donc c'est un truc de fou. Donc faire tout ça en un bloc, je trouve ça vraiment énorme. Et donc voilà, souvent, oublie pas en fait l'aspect programmation, c'est intéressant. L'aspect récupération, tout ça évidemment c'est important. Mais oublie pas l'aspect technique parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser, en particulier sur le court terme. Donc si tu cherches de la progression rapide en 6 semaines ou quoi, c'est vrai que faire un changement technique, même si c'est un petit peu risqué, bah, souvent c'est vrai que ça peut apporter quand même un plus.
Yo les gars, donc je vous fais du coup le retour par rapport à ma séance que j'ai fait du coup hier. Donc là, j'ai oublié complètement de filmer le retour. Voilà, tout simplement le feedback par rapport à la séance. Comme vous avez pu voir, du coup, le tradi, c'est un petit peu compliqué au niveau de ma technique. C'est vraiment pas du tout efficace. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui m'embête particulièrement parce que je l'utilise vraiment comme un mouvement accessoire pour monter mon sumo et vraiment pas comme un mouvement de compétition. Donc le fait que le verrouillage soit un petit peu bizarre à la fin, le fait qu'il y ait peut-être des appuis cuisses ou quoi, en réalité je m'en fous un peu. L'idée voilà, c'est vraiment que quand je fais du tradi, bah, généralement mon sumo il monte, donc en fait je cherche pas plus loin. Et je t'encourage vraiment à faire la même chose. Si t'as un mouvement où tu vois objectivement, tu mets le mouvement, ton mouvement de compétition il monte et tu l'enlèves, ton mouvement de compétition il monte pas, ou il stagne, ou il descend, ou quoi que ce soit. Actuellement, c'est-à-dire que le mouvement il t'aide, tu vois, donc autant le garder. En tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve ça un petit peu stupide de juste sous prétexte que c'est plus spécifique de faire uniquement le mouvement de compétition. Bah de mettre uniquement justement ce mouvement de compétition, je trouve ça un peu bête. Donc c'est mon point de vue. Et voilà, donc en soi la séance est quand même bien passée. Je suis super content pour le bench, que je répète encore une fois, je suis vraiment hyper content. Je pense que je peux vraiment, vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un mouvement sur lequel j'ai vraiment galéré pendant très très longtemps. Donc là je commence à comprendre un petit peu comment je réagis. Et je commence à trouver, entre guillemets, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je parle souvent d'une formule magique ou quoi que ce soit. Et en réalité c'est complètement un fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque athlète, tu vas avoir une certaine formule qui va fonctionner. Donc évidemment, ça va pas être la même pour tout le monde, mais tu vois, par exemple, si tu vas mettre, je dis n'importe quoi, un 3x8, peut-être tu vas arriver, tu vas exploser sur ton bench, alors qu'un autre athlète, tu vas lui mettre un 3x8, il va pas du tout bouger, il va peut-être même régresser. En fait, à partir du moment où tu trouves les bons mouvements, les bons paramètres, les bonnes séries, les bonnes reps, etc., et que tu trouves tout ça, que tu arrives en fait tout simplement à trouver cette formule qui fait progresser l'athlète, bah en fait, c'est un game changer parce que ça te permet de progresser à une vitesse monstrueuse et en perdant beaucoup moins de temps. Et c'est juste un truc de fou. Donc là je suis vraiment content, je me rapproche de plus en plus de cette formule là. Donc voilà. Petit rappel quand même avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par un suivi, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. On va passer un petit appel tranquillement. Je vais étudier en fait votre profil, voir les difficultés que vous avez. Vous aurez un petit questionnaire à remplir de façon à ce que je connaisse un petit peu votre profil avant l'appel. Ensuite on se passe un appel de 15-20 minutes. Et à partir de là on décide si on peut collaborer ou non ensemble. Donc sur ce, je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau vlog.